Bonjour. Bonjour. Sabah el khair. C'est ici qu'on peut découvrir les saveurs de la Syrie. Oui, je vous invite à un voyage culinaire au cœur de la Syrie. Suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous préparer une spécialité syrienne qui est le kebbe, qui se dit en syrien kebbe pseniye. C'est un plat national syrien qui est à base de boulgour et de viande hachée. Et chez nous, on dit une femme qui sait bien faire le kebbe, c'est une femme qui est prête à se marier. Je vais rajouter les épices. Il y a du poivre noir, il y a de la cannelle, il y a un peu de cumin. Ça sent très bon. Je suis arrivée en Belgique en 1984. J'avais 17 ans. Le kebbe, c'est un plat familial. Je mange ça depuis que je suis petite. Que ma maman, elle faisait ça le dimanche à la maison. Je trouve que c'est très important, c'est de garder ses traditions, sa culture. Et que je peux transmettre ça à mes enfants et plus tard mes enfants à leurs enfants. Maintenant, je mixe ma viande hachée et au fur et à mesure, je vais rajouter mon boulgour avec de l'eau pour obtenir une pâte homogène. Maintenant, je vais préparer ma farce de kebbe. Ça sent très bon avec les oignons, les épices. Et après, il y aura un côté croustillant avec les pignons de pain grillés. Ça va être top. Voilà, ma première couche de pâte est déjà terminée. Je vais devoir mettre la viande farcir après une deuxième couche de pâte et comme ça, mon plat est prêt. Je coupe mon kebbe, je vais faire des losanges, des lignes partout pour laisser pénétrer le beurre que je vais disposer sur toute la surface et que la cuisson soit homogène. C'est très joli, je trouve. Bonjour. Bonjour. Alors, le kebbe est prêt? Oui, oui. Ça sent bon. Jeune pour manger ça, toi. Nastasia, ça sera toi la prochaine fois qui va nous préparer de kebbe. Ouais. Ouais, bah, ça sera moi chef à la prochaine fois. Ouais, tout à fait.